Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message intemporel et bien de ce jeudi 29 août 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé une belle journée hier. Alors, pensée de ce matin, la petite philosophie du matin, eh bien la pensée de ce 29 août, heureux. Le bonheur est fragile. Le bonheur est volage. Le bonheur est fugace. Niché dans de si petites choses. Il faut ouvrir les yeux et être attentif pour ne pas prendre conscience après coup que l'on était heureux. Belle pensée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé fleur de lotus. J'adore cette fleur. C'est une magnifique fleur qui s'ouvre et qui se referme comme ça. Voilà, ça a beaucoup de vie, cette fleur de lotus, et c'est l'illumination. La fleur de lotus représente, eh bien, la force. C'est une force sereine et l'aisance que procure l'accession à un niveau supérieur de conscience. Le savoir intime, paix et connexion spirituelle, eh bien, cela va vous permettre d'aborder les situations qui se présentent sans aucune de vos inquiétudes habituelles. Ce sont des événements qui vous auraient stressé auparavant. Mais ici, ça vous laisse maintenant indifférent. La preuve que vous avez bien travaillé sur vos distorsions. Vous approchez la vie avec un cœur pur et un esprit calme. Quel beau cheminement, quel beau parcours que vous avez effectué pour certains d'entre vous. Et cela, eh bien, ça vous aide à survoler la mêlée de tout ce que vous vivez. Bien que l'illumination vous élève, n'est-ce pas? Il est important, quand même, de rester bien ancré. Il se peut que vous soyez un exemple, oui, un exemple pour ceux qui n'ont pas acquis le degré de compréhension qui est maintenant le vôtre. Alors, soyez patient et acceptez les gens là où ils en ont, où ils sont dans leur parcours. Eh bien, cette carte symbolise aussi un moment fécond ou une renaissance. Il y a une connexion avec vos ancêtres que vous pourriez avoir, et cela va vous rappeler, eh bien, vos racines. Et ici, cette carte, elle vous invite à être moins focalisé sur le matériel. Et vous avez, pour certains d'entre vous, cette belle capacité à enseigner aux autres. Et il serait bon peut-être aussi d'appliquer les leçons apprises. Restez humble et ancré. En fait, c'est une magnifique carte, n'est-ce pas? Vraiment. Vous êtes en probablement un cheminement spirituel qui est déjà très avancé et vous avez fait ce beau travail sur vous. Donc, ce qui peut arriver là maintenant, eh bien, vous prenez les choses vraiment différemment. Vous n'êtes plus dans cette émotion, dans cette émotivité. Vous ne prenez plus les choses à cœur comme vous le faisiez.
vous êtes beaucoup plus distant, vous avez pris de la distance par rapport à ce qui se passe, à ce que vous vivez. Et ça, c'est magnifique, c'est un excellent travail que vous avez fait sur vous-même. Hein. C'est vraiment, je vous en félicite pour à qui ça parlera, parce que c'est vraiment beau. Prendre de la distance par rapport aux événements. Et prendre un événement à la fois. Et je dis toujours, lorsqu'il y a une problématique, il y a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien, le problème vient de notre tête. C'est nous qui créons le problème. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Allez, je termine avec le petit oracle des couleurs. Et aujourd'hui, j'ai pigé Coquelicot. C'est une fleur qui me rappelle toute mon enfance. J'allais à la côte et c'était rempli de coquelicots. Il y avait des champs de coquelicots. Et voilà, ça me rappelle mon enfance. Alors, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Mais voilà, quand je parle de mon enfance, voilà, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine et de ce mois d'août. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. N'oubliez pas que la vie en elle-même est une fête et qu'il faut la fêter tous les jours. Et moi, je vous dis à demain, je vous embrasse. À demain.